Bonjour, alors juste avant les 12 coups de midi, vous avez Les Feux de l'amour. Donc, Les Feux de l'amour, c'est une série qui existe depuis 1980, rendez compte, 1980. Et dans cette série, donc, vous avez ce monsieur qui s'appelle Victor Newman dans la série. Mais j'ai appris un truc aujourd'hui que je ne savais pas. Bon, son nom est Eric Braeden. Sauf que ce n'est pas son vrai nom, c'est un pseudo, puisque son vrai nom, c'est Hans Georg Gundengast. C'est-à-dire qu'il est allemand à la base. Oui, il est allemand. Il est né le 3 avril 1941 à Bredenbeck. Il a été na naturalisé américain en 1959, donc Victor Newman. Alors, j'en parle aujourd'hui sur ma chaîne parce que, bon, bah, c'est juste avant les 12 coups midi, donc c'est pour ça que j'en parle. Il y a peut-être des gens qui regardent Les Feux de l'amour, et il a avoué récemment donc être atteint d'un cancer de la prostate. Donc, il a fait une petite vidéo. Je voulais la mettre, mais bon, c'est en anglais, et puis bon, c'est pas traduit, et puis surtout, c'est très très long. Donc, il a posté aussi des photos de lui quand il a fait ses examens. Donc, il est atteint d'un cancer de la prostate. Donc, bon, bah, on lui souhaite un bon rétablissement. Et chose assez rigolote, c'est que s'il devait malheureusement disparaître, eh bien, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Les Feux de l'amour, eh bien, il y a encore pour peut-être 2 ou 3 ans d'inédit, puisque bon, si vous allez aux États-Unis, eh bien, vous verrez pas la même chose qu'on voit en France, puisque eh bien, on est en retard de 2-3 ans sur les épisodes des Feux de l'amour. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.